Là, il y a Lina en haut. Là, on va lui faire un prank. Camilla, en vrai, t'es bizarre, ma gueule, wesh. J'espère que vous allez bien. Là, il y a Lina en haut. Il faut savoir que là, on va lui faire un prank avec moi et Lia et Mathilde. Donc, du coup, là, le prank, ça va être qu'en fait, moi et Lia, on s'embrouille. Là, il faut savoir que du coup, on s'est vraiment, vraiment rencontrés. On a vraiment vécu ensemble ici, sinon à la base, on se voyait pas longtemps. C'est la copine à Lina. Du coup, c'est grave crazy qu'il y a un franc entre nous. Dans le contexte, hier, j'ai dormi avec Lina. Alors que de base, Lina, elle dort avec Lia. On a fait genre qu'en fait, elle avait dérangé tout, alors qu'en vrai, pas du tout. Et Mathilde est totalement complice du piège. Moi, je suis totalement innocente dans ça, finalement. Ok, Lina est en train de se maquiller en haut. On va commencer et moi ça me fait trop de la peine. Ouais. En tout cas, c'est parti. Dur de s'embrouiller avec elle. Ouais, de ouf. Allez, là, on commence. Mais c'est toi qui dois me reprocher quelque chose. Oh, je vais dire, ouais, c'est sûr qu'elle était avec toi. Allez. Ce soir, elle dort avec toi, Lina. On se met pas rigoler. T'as dit quoi? J'ai dit ce soir, elle dort avec toi. Ouais. Pas comme hier. Bah, quoi, c'était avec Sam. Mais justement, en vrai, c'est que. Mais Camilla, en vrai, t'es bizarre, ma gueule, wesh. Mais quoi? Mais t'es une ouf, toi! Oui, c'est une ouf! Tu peux dormir avec elle? Ouais, c'est une chambre! Bah oui, je peux dormir avec elle! Oui, bah t'inquiète! Lina, ce soir, elle dort avec toi, ta copine! Ah ouais? Je sais pas, chère, tu prends grand la confiance, frère! Mais comment tu prends la confiance? C'est un mythe! Mais oui, c'est une ouf, toi! Tu veux dormir avec Lina? Dors avec Lina, oui, c'est une ouf, toi! Vas-y, monte dans ta chambre, dors avec Lina, carrément, dors tout seul, si tu veux! Bah oui, je dors tout seul, c'est pas le problème! Vas-y! Voilà, vas-y, papa! Et puis c'est bon! Mais elle m'a arrivé jusqu'à 4 jours, vous n'avez pas vous énerver pour. Mais je sais pas, elle prend la couleur de déjà, elle arrive, ça fait 2 jours, elle arrive, elle commence mais... à aller déjà à vouloir dormir avec elle. Mais ouais, je suis une ouf, toi, mais je dors avec elle. Mais elle, t'es même pas sortie de la semaine en fait. Ma mère, je dormais avec elle, t'étais même pas née en fait, vraiment. Mais tu m'as née de quoi en fait? Voilà, c'est mal mentalisé. Voilà, je l'ai fissé plus, parce que vous avez pas besoin de me mettre pour un peu de voilà, c'est une ouf, frère. Ah, Lina? Lina? Moi, je t'en prie, t'as pas grave mal, vraiment. Des où? Lina? T'as pas archi mal, voilà. Camélia, frère? Mais on me dit, ouais, je dis, ouais, c'est toi, t'as la Lina. Je dis, ouais, t'as la Lina, je sais pas, en mode, elle me prend la tête. Mais tu parles de quoi, en fait, là? Mais pourquoi? En fait, si j'ai envie de dormir avec Lina, mais je suis pas une énorme, mais je suis même pas soutenir en fait. En fait, toute la journée, je t'ai retenue, pour qu'à la fin, tu parles, wesh. Mais je me suis retenue de quoi, c'est pas que tu. Toute la journée, je t'ai retenue, pour qu'à la fin, tu parles. Ouais, et alors? T'avais juste à aller, j'ai fait une liste, je t'en ai
j'ai pas envie qu'il y ait un truc comme ça. Et le magasin, je vais pas envie qu'il y ait un truc comme ça. Et le magasin, je vais pas envie qu'il y ait un truc comme ça. D'accord. Non, d'accord. Toi, qu'est-ce que t'as fait, je fais. Regarde. Oh, je veux dire que ça, c'est bon. On dit pour. Non, vraiment, c'est. Elle a aussi le cul, elle a ça. Moi, je pense qu'elle a dit ça. Elle a dit ça. Oh là là, ouais, ton discours, ma gueule, tu tiens toujours les mêmes discours. Mais. Pourquoi j'ai rien à faire là? Mais pourquoi j'ai rien à faire là? Tu as fait un câble sur ta mienne, alors on l'arrête pas là. Mais alors? Mais alors, attends. Oh là là, elle fait pas ton discours, il pleut. Mais. J'ai plus la passion pour toi. Mais pourquoi t'as envie de dire ça? Mais j'en parle pas de toi. Mais j'en parle pas de toi. Mais c'est bon, mais tu vas le faire.
pas avec toi, c'est vrai, c'est mon fou là. Mais moi, je suis dans une villa avec une meuf, frère, c'est une malade, je vais vous dire. Mais là, voilà. Tu ne vas jamais me toucher. En fait, que je venais vers toi et je te touchais pas, voilà, ça faisait pas crédible. Et moi, je voulais trop la frapper aussi parce que je me dis, mais elle va me prendre une bonne. En plus, quand je me dis, elle m'a dit, c'est un prank, je t'envoie, non, pas du tout. Moi, je... Mais elle, en fait, je me suis dit, non, mais arrête, c'est un prank. C'est que vous n'avez pas besoin de bruit pour ça, oui. Oui, mais oui, parce que je suis née sur ta gueule en fait. En plus, à un moment, elle a dit, non, mais Lia, arrête, vas-y, viens, on monte, s'il te plaît. Genre, parce que t'as dit quoi? T'as dit, ouais, t'es là que pour le contenu. Je confirme. Tu me pardonnes, ma chérie. Mais Lia, vous êtes trop belle. En fait, elle était déstabilisée. Elle avait deux détraques, elle détruit la maison. Elle était là à se battre entre elles. Moi, je dois faire quoi en fait? C'était matchée avec Lia. Ouais. Ouais. Là, il y a vraiment les deux détraqués. Ça fait mal au cou. Un peu. Bon, sachez que toutes les paroles que vous avez entendues sont totalement fausses. Je l'aime beaucoup, les amis. Le prank, il est fini. Ma chérie d'amour, Lina m'a fait trop de la peine. Vous voyez pas son visage de près. Mais en fait, elle était vraiment en détresse de se dire, putain, mes deux copines, elles sont en train de s'embrouiller alors que c'est moi qui ai réuni tout le monde. Et du coup, ça me fait vraiment trop de la peine. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. C'était le deuxième prank de ma chaîne YouTube. Je vous fais des gros bisous. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour les autres vidéos.